plus sur toi, Daniel. Bon ben voilà, fin du premier jour du rallye d'Alsace et fin du rallye tout court pour nous. On a eu un petit problème mécanique dans la Spéciale 3, on a eu un problème sur le moteur, une alarme pression d'huile. Le rallye, bon, ben, pour nous ça s'est arrêté, c'est un sport mécanique comme on a toujours dit, tout peut arriver, c'est un fait de course. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va arrêter le blog, et donc la personne, la pièce maîtresse de l'équipage de Velena, Didier Clément, notre ingénieur depuis 10 ans, depuis le début. Voilà. Donc il va se présenter. Mais tout le monde le connaît, mais vas-y Dino, présente-toi. Didier Clément, donc moi je suis l'ingénieur voiture de l'équipage Love Elena depuis Monte Carlo 2002. Et donc depuis toute cette époque, on a tout vécu ensemble. Les rallyes un peu plus difficiles, mais surtout toutes les victoires, la plupart des victoires, puisque d'autres ingénieurs aussi ont participé. Non, c'est pas vrai, tu n'étais pas là l'année dernière en Allemagne. Eh bien, c'est bien ce que j'ai dit. Tu vois, il n'était pas là, vous savez pourquoi? Il a été papa. Donc, il n'est pas venu, mais bon. J'avais une excuse. Tu n'étais pas là en Finlande cette année? Ben non, parce que y a d'autres ingénieurs qui aussi officient avec vous de temps en temps, une à deux fois par an. Mais bon, voilà. C'est notre ingénieur principal pour nous. Et donc, c'est un équipage à la fois fantastique, mais c'est plus qu'un équipage, parce que depuis le temps, c'est des amis, et en fait, on se comprend, même des fois sans se parler, on a les mêmes avis souvent. La bouche, on pense la même chose, enfin bon, c'est vraiment une bonne osmose. En gros, c'est la troisième personne de la voiture, mais on n'a pas le droit de l'embarquer parce que c'est pas dans le règlement. Et heureusement. Alors peut-être à demain, je serai sûrement là. Bonsoir. Salut. Voilà.